Carla, Talon, non, pas date. On était amis, fut un temps, maintenant c'est fini. C'est une mauvaise personne que j'ai défendue toute ma vie, qui m'a fait des grosses trahisons, qui est partie à Dubaï faire son métier un peu bancal. Je parle plus à cette personne, c'est fini. Et puis voilà quoi, j'ai pas envie d'en parler, ça lui donne un peu de lumière, elle en rêve, donc non. Roman. Bon, déjà, la photo que j'ai, elle est bien photoshopée, premièrement. Non, Roman, je la date pas du tout, mais jamais de la vie. J'ai failli la dater, bah non, en fait, c'est pas dater, mais... Ma première télé, mon premier tournage sur 10 couples parfaits, on avait fait un bisou avec Roman. Non, je sais ce qu'a vécu Anto, et impossible. Alors oui, c'est une jolie fille, mais impossible. Moi, Roman, non, elle me fait flipper. Elle est ultra excessive, elle est ultra, ultra dure, et non, c'est impossible. C'est pas une question de physique, hein, c'est une jolie fille, mais non, Roman, impossible la date. Et puis Roman, c'est l'ex d'Anto. Anto, bon, on a été copains, plus copains, nanana, mais c'est quand même son ex, genre la meuf où il était vraiment amoureux, sa dernière relation. Moi, je fais pas ça. Je pourrais pas aller vers l'ex d'un mec qui parle et tout. C'est pas possible. Camille Froment. Non, je la date pas du tout. Déjà, j'avais beaucoup de mal à m'entendre avec Camille. Elle était relou un peu. Elle se mêlait toujours mes histoires avec Cass. C'est une gentille fille, Camille, hein, très gentille. Je la date pas. C'est pas parce qu'elle est blonde que je dois forcément la dater. Hein. Et non, je date pas Camille. Adixia, c'est une très jolie fille. Très très jolie, blonde, yeux bleus. Ouais, je pourrais la dater. Franchement, ouais, je vois pas trop de défauts. Non, vraiment, Adixia, très belle fille. Maïva Genam, non. Elle a l'air rigolote, hein. Mais non, c'est pas mon style. Je date pas, non, c'est trop volumineux, c'est trop refait et tout. Non, je pense que tu passes des très bons moments avec elle, mais non, Maïva Genam, je date pas. Maïsan! Non, je date pas, mais déjà, qui date Maïsan? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui date Maïsan de base? Non, Maïsan, elle peut être rigolote, mais c'est tout quoi. Du doigt de pied jusqu'aux cheveux, je date rien. Cassandra Julia, c'est qui? Non, Cassandra, qu'est-ce qu'elle est belle. Non, Cassandra, ben bien, forcément, je l'ai datée. Donc oui, forcément, je l'ai datée, je la date plus parce que voilà, c'est fini. Mais pour moi, c'est la plus belle fille de télé en France. J'ai toujours dit, je le penserai toujours, c'est pas parce que je suis plus avec que je vais changer d'avis. Cass, je pense que tout le monde la date en vrai. Moi, je date plus Cass. Jessica Chivna, non, je date pas. Jessica, elle a l'air très, très rigolote et tout, mais en plus, voilà, pareil, maman, mariée avec Thibaut et tout, les deux, beau couple et tout, mais non, après, physiquement, non, c'est trop refait. Je critique pas la chirurgie, hein, chacun fait ce qu'il veut. Si elle est bien comme ça, tant mieux, mais moi, non. Moi, c'est trop. Je la trouvais plus belle avant, voilà. Mais donc, je date pas Jessica. Jane, de la Villa. On s'est rencontrés, on a fait un live TikTok ensemble. Avec Jeanne, donc on se connaît, on a déjà discuté un peu, c'est une fille qui rigolote, elle est très jolie. Donc je l'ai jamais datée, peut-être qu'un jour il y aura date. Vivi Superstar. Vivi, non, Vivi, je peux pas la dater. Vivi, c'est une pote en vrai. C'est une jolie fille, mais non, je la vois trop comme un poteau, genre. Je la date pas, Vivi. Je la date pour lui dire, allez viens, on va boire un verre, on rigole, on boit un coup, mais pas en mode drague. Charlotte Bob, mais qui est-ce? Charlotte Bob, c'est mon ex, très belle fille, très rigolote surtout. Ben, je l'ai datée forcément, vu qu'on a été en couple pendant un petit moment. Mais non, je la date pas, parce que si ça a pas marché, je vois pas pourquoi ça marcherait à nouveau. Donc Charlotte, au top pour rigoler, passer une bonne soirée, mais pas pour un mode date, séduction et tout. Ouais, mais Lani, c'est une belle fille. Voilà. Il y a de la chirurgie, mais je trouve que c'est pas trop. C'est assez homogène. Ça se fond bien dans le décor. Non, très jolie fille. Puis elle a l'air un peu sportive. Ça, c'est important. Ça, j'aime bien. Donc, ouais, Mélanie, je la connais pas du tout. Jamais parlé et tout. Mais ouais, je peux dater. Emma Kettman, encore une blonde. Wouhou! Emma, non, je la date pas. Même si elle est blonde et tout, je sais pas. C'est une jolie fille et tout, mais non, je suis pas. Je sais pas, je la trouve un peu rigolote et tout, et je suis pas attiré. Y a rien qui me. Pourtant, c'est une belle fille, attention. Mais moi, y a rien qui me. Y a pas un petit truc qui m'attire. J'ai pas ce petit truc. Donc, non, Emma Kettman, je la date pas. Carla Moreau, mon dieu que non, je la date pas. J'ai trop peur. Pas possible. Non, Carla, je la date pas. Elle est blonde et tout, mais non, elle me fait un peu peur. C'est pas possible. J'ai vécu un tournage avec et non, je ne date pas du tout. Mais je veux pas le dire de mal non plus. Donc elle est très belle et voilà, c'est tout. Carla Talon,
Non, pas date. On était amis, fut un temps, maintenant c'est fini. C'est une mauvaise personne que j'ai défendue toute ma vie, qui m'a fait des grosses trahisons, qui est partie à Dubaï faire son métier un peu bancal. Que je ne parle plus à cette personne, c'est fini. Et puis voilà quoi, j'ai pas envie d'en parler, ça lui donne un peu de lumière, elle en rêve, donc non.